Ben voilà, donc c'est la toute dernière livraison de Toufan, bien sûr. Je reçois M. Tamadaro Emile. Vous êtes le CESAF de la structure Sojipro. Vous êtes chargé de la promotion des produits Sojipro. Le week-end dernier, vous étiez donc ici avec Victoire Tamadaro, qui est donc la directrice générale et qui est aussi de surcroît votre épouse. Alors, en qualité justement de vos fonctions, vous allez peut-être nous présenter d'abord vos structures Sojipro. Ok, merci Steve, bonjour. Sojipro, c'est une société solidaire qui évolue dans l'agro-business et nous sommes à Parakou, au quartier Dépôt. Et lorsque je parle de solidaire, je vais expliquer un peu ce que cela veut dire. C'est que nous sélectionnons le public vulnérable avec qui nous travaillons en amont comme en aval. Lorsque nous parlons d'amont, nous avons sélectionné 87 petits producteurs et de soja et de gingembre que nous formons, nous leur donnons une formation en production bio et nous leur fournissons maintenant la matière première et la semence. Et juste après la semence, nous, depuis la semée jusqu'à la récolte, nous les suivons et nous rachetons maintenant la matière première qui à un prix qui au préalable est défini avec eux. Et nous valorisons en fait les produits agricoles au niveau de la région du Borgo. Et il faut, lorsque vous achetez un produit Sojipro par exemple, un produit made in Sojipro, c'est que déjà vous participez à sortir cette population vulnérable de la pauvreté, vous participez au développement de la localité dans laquelle nous nous sommes installés, vous participez également au paiement de nos salaires, justement. Et l'autre chose, c'est que le produit pour lequel vous avez investi vous permet d'avoir une satisfaction digne de ce nom, parce que c'est un produit de qualité et bio. Tout à fait. Alors justement, vous parlez de ce produit que vous avez mis sur le marché, c'est le sojaté. Et il y a aussi le gingembre, le yamaku au miel. Vous nous avez parlé de ces deux produits déjà. Merci beaucoup. Je vais commencer par le sojaté. Le sojaté, c'est une farine de soja instantanée. Instantanée juste parce que vous n'aurez plus besoin de bouillir avant de consommer. Alors, le sojaté, lorsque nous le prenons à poids égal avec la viande, il consomme plus de protéines et de. Il contient plus de protéines et de fer que la viande. Il contient plus de calcium que le lait. Il contient plus de vitamines B1, B2, B6 que l'œuf. Le soja a également un élément qu'on appelle oméga-3 qui joue le rôle de balayeur. Il nettoie nos parois et les parois de nos veines, pratiquement de tout ce qui concerne les graisses saturées. Qui nous amène souvent à des maladies telles que l'hypertension. Alors, qui peut consommer alors cette farine instantanée? Qui peut consommer? Tout le monde peut consommer, mais nous allons faire une catégorisation de ceux-là qui peuvent consommer. Lorsque nous prenons une femme enceinte, c'est une très bonne farine pour la femme enceinte parce que ça permet à la femme d'avoir une bonne santé et le fœtus se développe correctement bien. Lorsque l'enfant naît, il faut que la femme continue à consommer du sojaté juste pour avoir une bonne montée de lait maternel très riche. L'enfant, à un âge donné, déjà à partir de 6 mois, on parle de sevrage. À cet âge-là, c'est tout un stress dans la famille. Il faut alors soumettre l'enfant à la consommation de sojaté, soit en bouillie, soit en complément alimentaire. Cela permet ainsi à l'enfant de passer un très beau moment de sevrage et ça lui permet également d'avoir une bonne croissance. Les sorties de dents se passent normalement bien. La femme, à un âge donné, en ménopause, commence par avoir des bouffées de chaleur, et des maux de rein, ainsi de suite. Lorsqu'on les soumet souvent à la consommation de sojaté, ça fait disparaître toutes ces petites maladies. Ça permet également à tout homme, à toute personne, lorsqu'elle consomme, lui permet d'avoir, la régénération des cellules. Je viens présentement à Nyamaku. Nyamaku, c'est du gingembre qui a été fait avec le miel. Nous connaissons tous les spécialités du gingembre. Le gingembre permet d'avoir le tonus, d'avoir de la vitalité. Après une activité intense, lorsque vous consommez du gingembre, du Nyamaku, vous donnez une vitalité et vous vous retrouvez. Lorsque vous mangez, vous sentez une constipation, il vous suffit de manger du gingembre au miel. Tous les jours, à des moments donnés, on sent une fatigue. C'est très bon de consommer du gingembre au miel. Donc, vous avez un chat au niveau de la gorge, il est très important de consommer du gingembre au miel pour faire disparaître complètement ce chat. Le gingembre, comme nous le connaissons, c'est un produit aphrodisiaque
par excellence et naturel. Il est bon alors à toute personne qui souffre de telle situation de prendre, de manger de temps en temps. De telle situation. Oh, ok. C'est juste pour ne pas sortir. Absolument, tout à fait. Ouais. De consommer du gingembre au miel et pour se retrouver. Et c'est de Nyamako. Merci beaucoup, Steve. Voilà. On va peut-être faire voir comment une petite démo. Hein. Okay. Voir comment cette farine, parce qu'elle a quand même des caractéristiques, moi j'aime bien, c'est-à-dire que ça ne fait même pas de grumeaux du tout. Oui, du tout. D'accord. Pas. Ça fait, et puis vous voyez, c'est bien scellé. Hein. Quand on veut l'ouvrir, c'est vraiment bien scellé. On l'ouvre, hein, on décapsule, on le sort. Oui. Et puis pour le préparer, c'est pas compliqué en fait. Hein. On fait quoi? On met de l'eau? Oui, on met de l'eau. On met de l'eau dans voilà. La tasse. Dans la tasse. Ça dépend bon. De toi, hein. Je peux la rallonger. Hein, non, si c'est tu bon. C'est-à-dire okay. qu'on va, on l'a fait. Oui. Et donc, c'est, on retient quoi? Que ce soit de l'eau fraîche. Que ce soit de l'eau fraîche ou de l'eau chaude. Chaude. Oui. Là, maintenant, c'est de l'eau fraîche. C'est de l'eau fraîche. Oui. Hein. Oui. Alors, tu remues. Je remue. Tu remues simplement. Voilà, je remue. Maintenant, on peut le doser à volonté. Oui, si on veut à volonté, que ce soit une bouillie voilà. Lourde, on le fait. Si on veut que ce soit simplement soft, on le fait. Oui. Voilà. Donc, et donc, comme je disais, c'est, pour l'avoir essayé, pour l'avoir consommé, pour l'avoir d'ailleurs adopté, c'est une bouillie donc, qui n'a pas de grumeaux, qui ne laisse pas de grumeaux. Et ça, c'est une grande nouveauté dans cette… C'est une innovation. Une innovation, oui. Voilà, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de bouillies, quand on les met dans l'eau, eh bien, évidemment, vous voyez, c'est complètement soluble. Oui. Voilà, c'est complètement soluble. Qu'est-ce qui me prend ces plans, s'il vous plaît? Vous êtes ici? Voilà, vous voyez, non? C'est bien soluble. Vous voyez, c'est complètement soluble. Et on peut le boire. Oui, on peut voilà. le boire, simplement. En plus, vous voyez, bel arôme. Merci. Joli goût. Merci. On ne met pas de sucre parce que c'est déjà sucré. C'est déjà sucré. Bien sûr. Et ça fait du bien. Merci. Quand je suis au bureau, je peux le prendre allongé. Allongé. Ou même parfois, on peut le laper aussi. Oui, on peut le laper. Ouais. On peut le laper. Ah non, ça est passé. Hein. Elle a marché. Je me demande si je peux prendre un peu. Et non, on a bloqué tout le nouveau, quoi. Ok. Ça y est, il m'a touché. Et merci beaucoup. Elle était au commun d'ailleurs. Et Nyon. Au revoir. Et Nyon. Bon, donc, disons, où je peux trouver tous ces produits? Non, à Cotonou, ici, vous allez déjà à Franprix, le supermarché Franprix, vous pouvez en trouver. Vous allez à la pharmacie de l'université d'Abom et Calavi, il y en a. Vous allez à la Belle Bénée, il y en a. Vous, lorsque vous êtes à Porto Novo, vous allez à la pharmacie à Djibadé, mm-hmm. du Coinmé, non loin des rails, vous le trouverez. Lorsque vous êtes à Kandi, oui. vous allez au niveau de la pharmacie Nassiara, il y en a. Vous revenez à Parakou, dans toutes les pharmacies et tous les supermarchés, vous en trouverez. Parfait. Oui. Parfait. Allez, un numéro de téléphone ou deux. Le 95 06 38 42, le 97 33 26 29. Voilà, le 95 06 38 42. Oui. Ou le 97 33 26 29. Alors on peut vous appeler, on peut même vous représenter, on peut en prendre des stocks limités ou en gros ou en détail, etc. Exactement, ouais. exactement. Oui. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse quelques secondes pour conclure cette causerie. Qu'est-ce que vous aurez envie finalement encore de dire? Je vais remercier mon épouse qui est la directrice de la structure, qui se peine chaque fois pour donner des produits de qualité à la population. Je remercie également Sens Bénin qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Tout à fait. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Émile Tamadao. Vous êtes le CESAF chargé de la promotion des produits Sojipro. Que voici le sojaté et puis le nyamaku. Et le sojaté, il y en a en deux conditionnements. Il y a donc ces... Ça, c'est en bocal. En bocal. Et oui. puis là, c'est... Et ça, c'est en sachet en aluminium. Aluminium. Aluminium, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. On ne va pas se quitter ainsi. On va regarder le film publicitaire attenant à nos produits. Regardez. Le soja est si bon pour la santé que nous l'avons transformé en soja thé afin que vous le consommiez plus facilement et plus savoureusement en thé, en bouillie ou purée et même en complément alimentaire. C'est si bon. Soja thé est, pour toute la famille, source de protéines, calcium, fer, zinc, fibres, oméga 3, vitamines. Et en plus, c'est si bon. C'est si bon. Soja thé, le soutien de toute la famille. Et c'est pourquoi... C'est pourquoi c'est si bon. Ça vaut mieux qu'un million. Découvrez dans notre gamme de produits alimentaires le Nyamaku, tonifiant et revitalisant à base de gingembre. Producteur, distributeur, Sojipro, Parakou, Bénin. Téléphone 95 06 38 42, 97 33 26 29. C'est si bon.